de Chiang Mai, pile à l'heure. Depuis la gare de Chiang Mai à notre hôtel, là, il y a à peu près 5 km. Non, 11. 11 km. En faisant le tour, mais on coupe en 5. Donc on a pris un santé parce que c'est ce qui s'utilise le plus dans la ville. Bon, vraiment pas cher du tout, du tout, du tout. Pour une toute petite distance, mais c'est 30 bahts hein, par personne. Hein. Ça fait 75 centimes. Voilà, voilà. Alors, Ami, tu vas te retrouver dans ton hôtel, là ? Je suis pas sûre. Allez. Mais bon, ça va aller. On n'a pas pu filmer la route, vu que j'ai prêté mon téléphone au chauffeur avec le GPS. Mais je l'ai filmé avec mon téléphone. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, on avance. Allez. Alors, c'est un hôtel avec piscine, normalement. Oui. Que Dominique a choisi. Oui, j'ai choisi, oui. Voilà, Saint-Valentin. Oui. De demain. C'est un hôtel de luxe. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur, deuxième étage ? Deuxième étage. Ah bon ? Une piscine là ? Non ? Sauf erreur de ma part, on a un balcon, si j'ai bien compris son nom. Allez, on y va. On y va. Oh, il y a de la moquette ici. Là, l'hôtel de luxe, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Enfin, pour nous, hein, parce que pour nous, ça serait pas luxe du tout. Ça fait bizarre de marcher sur de la moquette. Très épaisse d'ailleurs. Ouais. Oh ben, j'ai une tête épouvantable, yes. Hein. It's me. Après une nuit dans le train, il faut pas regarder ma tête, hein. Mais bon, on a bien dormi. Yes. T'as appuyé deux, non ? J'ai rien fait. T'as pas appuyé deux. Je suis en vacances, alors je fais pas grand-chose, honnêtement. Non, ça fait un moment que tu te fais servir. Absolument. Ouais. C'est tout le jeu des vacances. Après vous, hein. Alors... 220, non, c'est ça ? Yes. Ok. À gauche. Alors. À gauche. Ok, 214, 200. Là, ouais, ouais. Ouah, ça. Putain. Le sol, il brille. Il y a utilisé, alors on n'a pas de clé, hein. Ah ouais, c'est. Ça fait bip. C'est électronique. Alors on découvre en même temps que vous ? Oui, on découvre. Hein. Alors faut mettre la carte. Ouais, faut mettre la carte. Alors ? Je ne suis pas très douée, moi, ces trucs-là. D'accord, t'es pas douée. Ça va faire une longue vidéo, ça. Pas douée. Ah ouais, ça n'a pas l'air. Dans l'autre sens, peut-être. Oh, voilà. Ah oui, il faut mettre la carte là pour avoir l'électricité. C'est pas trop mal, donc nous avons des bijoux, alors on va les rapprocher, hein, surtout c'est la Saint-Valentin. Ouais, hein. C'est du. Bon, bah, joli. Téléphone. Joli. À l'ancienne. Ah, chaussons. C'est beau. Chausson pour son papy. Un frigo, parce qu'on a prévu de se faire des cocktails hein, pour la Saint-Valentin. Un frigo pour les cocktails. Et de s'acheter du vin. Une penderie, ça c'est bien. C'est pas mal. Clim. Petite lumière à bâche. Déco, fausse déco. Ah, lumière, oui. Bien, bien, salle bien. De bain. Et là, on va rapprocher les lits, ça va être cool. Salle de bain sympathique. Salle de bain. Ah oui, oui. Le rideau est très beau. Ouais. Le rideau est joli. Ok. Le rideau est très joli. Ah, mais il y a deux. Ouais, c'est pas mal. Un petit balcon. Et le balcon. C'est bien. Avec vue sur. La montagne là-bas en face. Ah, la montagne, ouais. Je sais pas si on va la voir. Ok, la piscine, elle est là. Il y en a une là. Il y en a une là, mais il y en a une autre. Pareil qu'il y en a une deuxième. Allez, on va aller voir ça.
Alors, on a reloué un scooter parce que la ville de Chiang Mai, en soi, c'est pas intéressant pour nous. On est venu à Chiang Mai pour faire les espaces naturels près de la montagne. Donc là, aujourd'hui, on va tenter d'aller au lac. Voilà. Voici le lac. C'était vraiment un bon quart d'heure de l'hôtel. Ça fait du bien, la nature. Ah oui. On est vraiment au pied de la montagne. Très sympathique. On n'a pas encore vu. Alors ils en font quoi de leur petite cabane là? Ils viennent manger en fait là. Bah oui, puis siester après. Ah, mais faut acheter des trucs à manger aussi. Évidemment. Voilà, on voit bien la montagne là. On sent d'ailleurs la petite fraîcheur qui descend. Légère. Mais il fait très 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 chaud, donc ça fait du bien. Des sculptures avec de la paille de riz. Nous sommes dans le ventre de King Kong. Oui, l'idée est un peu effrayante. Non, c'est sympa. En même temps, c'est ludique. C'est sympa. Alors, on va manger sur les petites paillotes sur l'eau. C'est trop, trop agréable. Et le principe, c'est de commander ce qu'on veut, à boire et à manger. J'amène le panier. Voilà. Les glaçons pour que ça reste frais. Un seau. Ils savent recevoir ces tailles. Et il y a même un truc complet de. Ah oui, parce que les serviettes sont rares en Thaïlande. Et les tarifs sont très corrects, à peine plus chers qu'ailleurs. Après, tu vas mettre tes pieds dans l'eau, ami. Non. T'as peur des varans? Ah, j'y mettrai pas les pieds là. Je vais tenter de mettre le pied. Non, ils viennent pas, ça va. Ça va, ils viennent pas. C'est bon, ami. Très bon. Ami, t'es allongé par terre là. Ah oui. Et tu sais qu'on est au restaurant. Bah oui. Ouais. Ah, il y a une tyrolienne là-bas, regarde. Ouais. C'est un restaurant où on s'allonge par terre. Absolument. Ah, d'accord.
Enfin, on fait tout ce qu'on veut. Ah ouais. Ouais, la table, elle est pas ouf. Il y en a qui se baignent. Donc en fait, ici, on mange, et puis après, on s'allonge, comme ça. Tranquille, le char. Fais ce qu'on veut. Sympa. Alors, pour la Saint-Valentin, on se fait un petit apéro piscine. Ouais. Alors, on s'est fait un petit Bloody Mary, mais avec de l'alcool de riz. Alors, c'est servi dans les tasses à café parce qu'on a oublié d'acheter des gobelets. Alors, c'est pas très romantique, mais ça le fait bien quand même. Mais peu importe le contenant. Il fait encore très chaud. Alors le nom de l'alcool de riz, il est particulier, mais je peux pas le dire comme ça. Non. Vous allez le voir sur la photo suivante. Vous comprendrez. Ouais, ils nous ont vendu ça pour de la vodka, mais bon. C'est un petit peu frais. Ça va rafraîchir. Ça va rafraîchir parce que le piment dans Bloody Mary à l'alcool de riz, j'ai un peu de sueur. Franchement, ça fait grave du bien. Ah ouais, je me doute. Ah ouais, non, elle est bonne en fait. Il faut être bon. Ah ouais. Alors, on continue la soirée sur le balcon qu'on a aménagé comme on pouvait. Il est tout petit, mais on a mis des coussins, une petite tablette. On a acheté du vin. Les Thaïlandais ne boivent pas de vin. Ils en vendent, mais pour un prix minimum de 400 bahts, hein, c'est-à-dire 10 euros. Hein. Normal, hein, on en a vu à 200, mais bon. Ouais, on doute quand même de la qualité. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, après 10 euros, c'est le prix qu'on paye en France, hein, donc on n'en boit pas tous les jours, mais voilà. Pour la Saint-Valentin, on s'est offert une petite bouteille. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va aller se perdre un petit peu dans la montagne. Oui. Et puis, Dominique a repéré un petit village. Ouais, c'est le village des fleurs. Le village des fleurs, d'accord. Je crois que c'est ça. C'est à combien de kilomètres d'ici? Une quinzaine. Je te demande pas le nom, évidemment. C'est le village des fleurs. D'accord. Et en thaï, ça se dit comment?
Cancun Cap. Alors, on est dans la montagne, on s'est arrêté à un point de vue. Bon, la route est super belle, hein. Elle est large, c'est top. Donc, vue sur la ville de Chiang Mai. Alors, on est au dernier village en haut de la montagne. Et il y a une partie du village, du coup, c'est quoi ? C'est que des fleurs, c'est le village des fleurs. D'accord. Voilà. D'accord. Là, c'est Free Toilet Royard. Ah oui. Ça fait très Tibet. D'accord. C'est joli, hein? C'est très joli. Regarde. Waouh, c'est beau. Il y a un chemin. Là, on va monter là. Il y a des belles pochettes, elle dit pas. Ça sent le cannabis. Non, non, le pire, c'est que je dis, on croirait presque du cannabis, mais. Ben, c'en est, ça sent. Non, c'en est, c'est très clair. Ça colle. Il colle le truc. Oh, il est magnifique. Ah. Grave, c'est beau. Puis au cœur de la montagne, comme ça, ouais. Il fait moins chaud, c'est super agréable. Hein.
Une journée grandiose en nature. Alors, après une magnifique journée dans la montagne, on avait convenu de venir à la police. On vous explique tout ça tout à l'heure. Ça, c'est une attraction locale. Alors, grâce à la police, Dominique me paye un coup dans un endroit magnifique qu'on n'aurait pas découvert si on n'avait pas dû venir à la police. Donc, Comcoun, la police. Pourquoi grâce à la police? Dominique, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, vite fait. Ce matin, on est parti. On s'est fait arrêter avec le scooter et moi, j'ai pas le permis moto. Il faut un permis. Ouais, enfin, faut le permis moto pour conduire ici en Thaïlande, quoi. C'est pas comme chez nous. Donc, ils m'ont demandé mon permis. J'ai pas de permis. Donc, ils m'ont dit d'aller régler une amende de 500 bahts. Et en fait, quand on règle l'amende, on a le droit de conduire avec, et on est reparti en scooter. Et en fait, on règle l'amende et on a le droit de conduire en scooter là pendant 3 jours. Voilà, alors la situation était rigolote parce qu'ils nous ont dit, il était 10h du matin, ils nous ont dit mais allez faire la visite du temple et tout ça, puis vous passerez ce soir avant 6h à la police pour payer l'amende, enfin tout va bien quoi. Et non, allez-y, hein, vous n'avez pas le droit de conduire, mais allez-y au temple. Voilà, en fait, on se fait arrêter, on n'a pas de permis, ils nous donnent une amende, ils nous disent vous passez avant 6h ce soir au poste. Mais il n'y a pas de problème, vous repartez avec le scooter, vous roulez, il n'y a pas de souci, ça marche. Tu peux montrer le petit papier là qui t'autorise du coup maintenant à rouler pendant 3 jours. Donc on a passé un très bon moment à la police puisqu'au final, on repart en règle pour 3 jours. Donc ils m'ont dit que si je me faisais arrêter, voilà. Il fallait que je montre ce papier. Voilà. Voilà, et je n'aurai pas d'amende pendant 3 jours. Voilà. Donc, en gros, j'ai le droit de conduire 3 jours après avoir payé l'amende de Donc finalement, de, ne pas avoir permis, en fait. De se faire arrêter par la police, de prendre une amende de 12,50 €, ça nous met en règle donc finalement. En règle pour la police quoi. Merci la police. Bon. Voilà. Et en plus, le poste de police est tout près de ce magnifique endroit. C'est la rivière Ping. Allez, on va boire un coup bon, pour fêter ceci ça. Dit, à la vôtre. À la santé de la police thaïlandaise. Voilà, 3 jours. Voilà. Même le déodorant, il est siglé. Au chanvre. Au chanvre. Eh ouais. Tout est au chanvre. C'est beau. Je sais pas si on peut le ramener en France. Bah si, c'est du déodorant. Ouais, bah ouais. Ok. Allez. Alors, ce matin, on va sur l'un des temples les plus sacrés du nord de la Thaïlande. Le Wat Phra Tat Doi Suthep. On
on a chaussé les baskets parce qu'il y a 300 marches. T'as pris tes baskets, mon bébé? Bah, elle est dans le scooter. Ok. Il y a 300 marches à monter. Bon, ça va, hein, c'est dans la forêt normalement, donc on n'aura pas trop chaud. C'est parti, Dominique. Attends, je charge le coffre. Tu charges le coffre. Ok. Allez, on y va. Une petite vidéo de l'ambiance. C'est calme ici. En scooter, ouais, c'est calme. C'est pas le... Oh, c'est calme. C'est... Ouais. Un petit pas de taille avant de monter au temple pour se donner des forces. Hein, Dominique? Ouais. C'est bon? Oui. Bonne app. Bonne app. Donc on va acheter les tickets pour le temple à 30 bahts par personne, c'est-à-dire à peu près 60 centimes. Dominique s'y colle. Il maîtrise bien la langue thaï, hein, ça se voit, pas de soucis. Une guide thaï explique qu'ils sont tous en or, ces Bouddhas. C'est pour
pour ça que c'est sous vitrine là. Alors, on est au sud-ouest de Chiang Mai, dans la campagne, un endroit qu'on ne connaît pas encore, qui est très sympa. On va aller visiter ces deux temples là-haut, qui ont l'air bien sympas. Alors, il y a des points d'eau un petit peu partout, c'est vraiment sympa, ça fait du bien. Ça change. Thank you.
en a qui font gratte là-bas. Collage de feuilles d'or sur boule décorative. Après la visite du temple, on a continué la route et on tombe dans un endroit merveilleux encore. Pleine nature. Le jungle. Jungle. Pour être plus précis. Alors, on est sur un autre site pour visiter un autre temple. Toujours dans la nature, de cette chaleur-là, c'est pas du luxe.
Ils sont moches, les poissons. Berk. C'est Hitchcock. Mais c'est effrayant. Bon, on va aller là-bas, il y a peut-être moins de chaussures. Alors, pour notre dernière soirée à Chiang Mai, puisqu'on reprend le train de nuit demain soir à 18h pour Bangkok, Dominique m'a emmené au bord d'un lac, pas très loin de notre hôtel. Donc, on mange dans une petite paillote. Bon, elle n'est pas jolie comme celle où on avait mangé l'autre fois. Non, hein. Mais bon, c'est sympa. Mais bon, alors, c'est juste devant la montagne. Le coucher de soleil vient juste de se finir, là. Ouais. Bon, c'est sympathique. J'espère qu'on va pas être envahi par les moustiques. Si, je viens d'en tuer, hein, il y en a un. Alors, on va quitter l'hôtel à Chiang Mai pour rejoindre la gare ferroviaire. Il y a 1h30 à pied, le long de la highway, là où c'est la folie des voitures. Et c'est surtout qu'il fait 37 degrés à l'ombre. Donc, je pense qu'on va devoir, en route, essayer de choper un sangté, un tuk-tuk rouge, là. Parce que sinon, on risque de pas arriver vivant à la gare. Hein. Ouais. On voit ça tout à l'heure. Hein. Ouais. Okay. Ok. Bon, alors, finalement, Bouddha nous a envoyé... un don. On a trouvé un 5T juste sorti de la réception de l'hôtel. Bon, on aurait aimé payer 300 bahts, la négociation était un peu difficile. On va payer 350 bahts pour nous deux, donc ça fait 9 euros pour presque une demi-heure de 5T jusqu'à la gare. Donc honnêtement, c'est correct parce que franchement, vu la chaleur et tout, il fait un peu chaud, oui. C'était quand même assez effrayant. Ouais. Alors c'est parti. Ouais. Voilà, on échappe à 1h30 de marche minimum, hein, là-dedans. Hein. Donc c'est bon. Alors on est arrivé à la gare de Chiang Mai, facile hein, du coup. On est allé récupérer les billets de train de nuit à l'hôtel Boss Hotel hein, qui se trouve juste en face. Et du coup on a pu déposer nos gros sacs. Comme ça là on peut se balader toute la journée sans, c'est vachement mieux.
On s'est acheté de quoi pique-niquer un petit peu, là, dans un pseudo-parc. Ça, c'est vachement bon. Là, c'est la première fois qu'on goûte. C'est au goût sushi. On s'est acheté une petite bière, hein, une Léo, comme d'hab. Et puis après, ben, on a du thon et puis du pain de mie pour faire des sandwichs triangle au thon. On va être franchement bien, là, on va être cool, hein. Tranquille. Voilà. Alors, on a récupéré nos sacs, puisqu'on a été marcher un petit peu, et voilà, on va se poser là maintenant. Et ben, du coup, on va squatter les canapés de Boss Hotel. Et ça sera très bien. Alors, dernier train de nuit pour nous, Chiang Mai, Bangkok, pour aller ensuite vers Pattaya, pour prendre le ferry jusqu'à Kolarn. Eh ben, voilà, il est super beau ce dernier train de nuit. On a de la chance. Alors pour notre dernier voyage en train de nuit, on s'est autorisé un petit resto, hein. Et c'est pas mal du tout. Alors c'est plus cher évidemment que chez les ambulants. C'est quand même la cage au folle. Hein. Dans la rue, mais bon, ça vaut le coup. Il y a une bonne ambiance, c'est très bon. C'est sympa. Derrière là, il y a du serveur. Alors, on vient d'arriver à la station, grande station de Bang Sou. Il est 6h50 du matin. Alors, il faut qu'on prenne le métro par la Blue Line pour rejoindre le BTS, c'est-à-dire le métro aérien d'Ekamai. Parce que de là-bas, on va choper la station terminal bus pour prendre un bus ou un minivan, on verra bien, pour aller jusqu'à Pattaya. Donc nous, on va s'arrêter à la station de métro BL22, Sukhumvit. De Bangkok, il est bien celui-là.
Alors, à peine arrivé au terminal bus des Camailles, ben on a trouvé tout de suite un minivan hein, pour aller à Pattaya et descendre au port, hein, où on prendra le ferry après pour Kollarn. Donc c'est bien cool, ça va même trop vite, on n'a pas le temps de se poser, mais franchement, tout s'est fait super facile. Oui, alors, pour 80 km, 160 bahts par personne, c'est-à-dire 4 euros, donc c'est très correct.